Avec l'approche des fêtes de fin d'année, c'est l'occasion des parties de Noël, des parties de bureau. Et c'est aussi l'occasion de regarnir notre bar à cocktails et à mocktails. Il y a les gin toniques qui sont toujours aussi populaires. L'offre des gins a explosé, mais l'offre des sodas toniques aussi est de plus en plus grande. Et aujourd'hui, on en fait goûter quatre. Il y a un Anglais, un Américain, un Canadien et un Québécois. De HEC à Montréal, place à la dégustation. Santé. Chill. Cheers. Attends, attends. Santé. En 1800, l'armée britannique qui défendait des territoires en Inde se font dire par la direction de l'armée, vos soldats vont prendre de la quinine en poudre tous les jours pour combattre la malaria. Ils devaient prendre ça, c'était amer, c'était infect. Ils ont dilué avec de l'eau et du sucre la poudre de quinine. Et on pourrait dire qu'à partir de là est né le tonique. Ça a parti très fort avec une boisson très populaire qu'on connaît qui s'appelle le gin. Moi, j'adore le gin. Je trouve qu'on a, surtout au Québec, des beaux produits. Vous l'accompagnez de quelle façon, votre gin? Je le prends souvent avec l'eau tonique. Moi, j'aime quand les bulles sont plutôt fines puis que le goût est pas trop amer, trop prononcé. Mm-hmm. Moi, je préfère celui-là. Ah ouais? Oui? Il est plus effacé, je trouve. Il y a un peu moins de goût. Ouais, mais il est moins amer, tu vois. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui provoque l'amertume dans le soda tonique? C'est la quinine. C'est la quinine qui fait que ça brille dans le noir? Oui. C'est ça, hein, OK. T'étudies en chimie? Non. La quinine, c'est une molécule végétale qu'on retrouve dans une écorce d'arbre qui s'appelle le quinquina, un arbre qui pousse principalement en Amérique du Sud. Et il y a deux pharmaciens en 1800 qui ont réussi à extraire la molécule et à former ce produit-là. Moi, je suis fan du vert. Ouais, le vert premier vert. Il est comme délicat, un peu pétillant. On dirait que c'est comme du Sprite. J'aime ça. Ouais. Je pense que le vert serait mon préf. Ouais. C'est ça, la marque de référence. C'est le Schweppes. Ah! OK, je me pensais plus fancy que ça. C'est un certain Jacob Schweppes qui, en 1783, a développé le processus industriel de la fabrication de l'eau pétillante. Près de 100 ans plus tard, la compagnie Schweppes y ajoute la fameuse quinine. De là est né le soda tonique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vu le goût que ça a, tu sens qu'il n'y a vraiment pas trop de sucre ou quoi? Puis lui, c'est plus sucré, c'est un autre goût. Peut-être un peu plus sucré? Ah, moi, j'ai l'impression un peu moins de sucré. Ben, moi, j'aime ça, le sucré. Qui n'aime pas le sucré? En général, on a entre 15 et 20 grammes de sucre dans les produits toniques. Ah, ça, c'est tout fin, la bulle toute fine. Ich, plus de pétillant. Plus de pétillant, lui. Ouais. Le goût... C'est le goût qui est plus fort? C'est plus le pétillant. Lui, il était plus en fin de bouche. Lui, il est en milieu de bouche. Parfait. Moi, c'est... catégoriquement, c'est le bleu. Alors, le bleu, c'est le 1642, le québécois. Avec le 1642, on peut y aller avec un petit côté herbal pour agrémenter l'épinette, un petit sirop simple, shaker avec un autre produit comme, par exemple, un jus de canneberge blanc. Le soda tonique Fever Tree est le plus coûteux de notre sélection, mais d'autres marques se vendent jusqu'à 3 fois moins cher. Ça goûte un peu le 7-Up. Aussi, pour puis la mûre, genre. La mûre? Ouais, la baie noire. Ouais, mais moi aussi, j'aurais le goût de 7-Up me revient un peu sucré. Moi, j'aime ça un petit peu plus de bulle. OK. Fait que, à date, lui, je l'aime mieux. Je trouve que le goût, il est moins intense dans celui-là. Oh my God, moi, je l'aime. J'aime beaucoup. Ouais? Ouais, mais il est comme un peu acidulé. Il y a comme un petit côté comme citron dedans. Ouais, hein? Moi aussi, j'ai goûté le petit citron. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas, c'est parce qu'il est jaune, là. Le jaune. Le jaune, ben c'est le Fever Tree. Le tonic va s'agrémenter assez bien avec la tequila, parfois avec la vodka. On sait que le plus populaire, évidemment, c'est le gin. Oula! C'est marrant, il y a un différent goût. Il a un goût, mais je saurais pas dire ce que c'est. Un peu plus fruité, je trouve. Ouais, je trouve qu'il y a un goût un petit peu plus floral. Je trouve que ça goûte plus que les trois autres, en fait. Ouais, c'est vrai. The Great Gentleman ressemble beaucoup au Schweppes. Donc, c'est quand même très similaire. Là, le petit côté amertume, ça reste un produit agréable. Aujourd'hui, quand on fait des cocktails, on va créer une ambiance autour d'un cocktail. On va rajouter des sirops florals, des sirops de gingembre. Et on va finir avec ces produits-là pour, comme on dit, topper sur le dessus d'un cocktail pour amener un petit côté pétillant à un cocktail festif. Écoute...
On remarque des résultats assez polarisés, hein? J'ai étonné. Il y a quelques voix à peine pour le bleu et le rouge, mais on a gagnant ex aequo. Oui, avec 21, la marque Fevertree et la marque de référence, le Schweppes. Merci à nos goûteurs.